et je me vois depuis longtemps comme un éveilleur des consciences. Je rêve d'une Afrique où il fait bon vivre, une Afrique meilleure. Bonjour, bonjour, bienvenue à mon live, le live de Conscience Nouvelle. Bienvenue sur CNO, Conscience Nouvelle officielle, de Mangré Christelle Akossi. Je suis heureuse, heureuse, heureuse de vous avoir. Waouh! Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au live de Conscience Nouvelle. Ouais. Bonjour, bonjour! Mangré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonjour Marénée. Marénée. Coucou, bienvenue sur mon blog. Je suis Mangré Christelle Akossi. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Conscience Nouvelle, du même titre que mon blog. Je suis moi encore Mangré Christelle Akossi, nouveau blog sur la toile. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Il y a 2 semaines de cela, on ne s'est pas parlé. Plein de jeunes ont plein d'idées dedans dans la tête, mais ne peuvent pas la réaliser. Il est vrai que pour les femmes, pour l'histoire de Marie et tout ça, oui. Et même celles qui ont un enfant, et même celles qui ont un époux, qui ont pu rencontrer l'âme, même celles qui ont pu... Oh non. Bonjour, bonjour, je suis Mangré Christelle Akossi, fondatrice de ce formidable projet qui est Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Lorsque Conscience Nouvelle parle, elle parle de la mentalité des nôtres, des Noirs. Qu'est-ce que vous voulez boire? Et puis tu vois mon cœur qui bat fort. Il dit, ma soeur, si tu bois quelque chose, je te tue. Tu bois rien. Je bois seul. On retourne pour moi à la maison. Hein? Attention, hein? Mais mon état. Ça. Donc, on va parler de mariage. Hein? J'ai dit encore le mot, sans retourner. Hein? On va parler encore de mariage. Mariage, mariage. Vous voulez pas mon produit, voilà les crèmes du diable. Ça va vous aider beaucoup à solutionner vos problèmes. Ou si vous voulez être un peu plus sérieux, prenez mon coffret. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à l'intérieur. Jeter des choses à l'intérieur. Lorsqu'il aura le temps des pluies et qu'il y aura des inondations, les gens vont commencer à dire, oui, Dieu m'a sauvé de l'inondation. Les Satan voulaient me tuer, les sorciers du village voulaient me tuer. Et puis Dieu m'a sauvé de l'inondation. Mais ton malheur a commencé par le fait que tu commences, toi et les autres, en train de jeter des sachets de bonbons glacés, de tout ce que vous voyez. Le caniveau est devenu une poubelle ouverte. Nous n'avons aucune valeur. Nous sommes des choses. Il faut nous donner de la valeur. Ça, un stylo que je donne de la valeur. Mais une personne, je ne donne pas de la valeur. Parce que ma valeur est inestimable. Je n'ai pas reçu Conscience Nouvelle dans une annonce. Ça, il faut que les gens se mettent cela en tête. Sur mon mur, là, c'est comme une rose avec des épines. Moi, je ne donne pas une rose sans épines. Conscience Nouvelle, là, ça m'a été inspiré spirituellement. Ok? Donc, lorsque je parle là, je suis sereine. Il y a quelqu'un. Mais vous venez vous parler de la Bible. Mathieu, on prend la grosse Bible comme cela. Vous faites fatiguer le monde. Vous fatiguez le monde. Quelqu'un qui me montre une Bible, il prend sa propre Bible pour la taper sur sa tête. Quoi qu'on dise, l'hôtel
protège avec passion. Tu sais de tout ton être. On ne te dit même pas que ce rêve ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta mission à toi, très cher. Même si tout est flou devant toi, persévère, persévère, courage en tout temps. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais persévérer malgré tout, malgré les difficultés de l'Afrique. Je vous exhorte tous à persévérer dans votre voie. Ayez le courage. Malgré tout ce que les gens disent sur vous, si les gens rient de vous, c'est vrai, mais persévère. Prenez courage. Et ça accomplira. Les feuilles et le succès et le fruit, c'est ce que tout le monde voit. Pensées sont des, comme j'ai coutume de dire, les huit amen dans notre vie. Elle doit pas rester avec toi. Mais lorsque tu es à l'aise à la prière, lorsque tu es bien dans sa présence, lorsque tu es en parole d'elle, même si ça se passe ici, j'aime ça être avec Christelle. Parce que quand je suis avec elle, quand je suis avec Christelle, elle me donne le temps. Qui parle le mieux de ce que c'est que l'identité. Donc voilà, on écoute encore. Je remercie cet ami là que j'appelle Grand Tour. Merci pour cette chanson. Hosanna. 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 Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Conscience Nouvelle. Live. Hosanna. Soyez les bienvenus sur mon mur. J'espère que la connexion va tenir. Mais on fait ce qu'on peut là. Écoutez encore un peu avant qu'on commence. Je vous aime. N'oubliez surtout pas. On se revoit la semaine prochaine pour un autre thème sur le changement des mentalités. Il y a beaucoup à dire. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime. Je vous aime. Donc, il faut le savoir. Stand by me, darling, darling. C'est ok, je dois arrêter parce que la cour est vide. Ils me mettent en allemand. À cour, batteriste Léa. Je vous aime, c'était mon frère Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. On se revoit pour un autre thème. Et je profiterai pour parler toujours du changement de mentalité. En commençant par nous, sans indexer les autres. Parce que l'ennemi intérieur est plus dangereux que celui extérieur. N'oubliez surtout pas. Mouah! Encore un peu avant qu'on commence.